adet senana yere tutun. Rumahane heratando koçetse. Rumahane senara tutun. Ouvrez les cieux, Seigneur. Open the heavens, Lord. Rumahane kenarasana tutun. Irimahara sanara chat sat satatsu. Adore celui qui est digne. Worship the one who is worthy. Worship the one who is worthy. Oromahaina sanara sara charatsu. On libère les sons d'adoration. On libère les sons d'adoration. Let's release the sounds of worship. On libère les sons d'adoration. Release the sounds of worship. Paris entend. Let's Paris listen. Paris listening. The sounds of worship. Parce qu'il y a un roi. There is a king. Parce qu'il y a un roi sur Paris. There is a king over Paris. Parce qu'il y a un roi sur la France. There is a king over France. Rumahaina hera tsuru rumahana yere tsutsu. Rumahai. Rumahai. Que tous les anges sachent. Let all the angels know. Que tout l'enfer sache. The all hell knows. Que la France adore le Seigneur l'Éternel. That France is worshiping the Lord God. Oh, rabba, babba, babba. Laissez votre voix être écoutée. Let your voice be heard. Laissez votre voix. Let your être voice écoutée. Be heard. Dans le ciel. In the heavens. Oh, rabba, charababa. Quel enfer tremble. Let, lorsqu'on t'adore. Let hell tremble when we sing. Ange de adoration. Angels of worship. Ange de adoration descend pour adorer avec le peuple du Seigneur. Let the sounds of, let the sounds of worship be heard with the people of God. Ôtez votre voix, ôtez votre voix. Lift up your voice. Lift up your voice. Anna, c'est une grande joie de pouvoir partager ces moments ensemble. Tu as un ministère international connu dans le monde entier et tu es une combattante de la guerre spirituelle, une guerre invisible mais tellement importante. Et ce matin, je lisais La guerre de haut niveau, qui est un livre très intéressant, bien sûr, puisqu'il dévoile les combats spirituels avec les puissances de ténèbres. Et bien sûr, pour nos téléspectateurs, peut-être ça ne veut rien dire. Et pour certains, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui dirige le monde et qui va à l'encontre d'une vie paisible. Et ce qui me touche dans ton témoignage, Anna, c'est que tu as connu les bas-fonds de la souffrance. Et c'est important que nos téléspectateurs sachent, parce qu'ils ont dans leur famille des membres qui sont touchés par la dépression, par l'oppression, par l'hôpital psychiatrique. Qu'avant que Dieu fasse la femme que tu es, une femme rayonnante, intelligente, etc., etc., il faut qu'il sache que tu as sombré. Mais avant tout, tu as été une prêtresse vaudou. Et il faut dire que cela t'a conduit, si on peut le dire, à la folie, puisque tu t'es retrouvée en hôpital psychiatrique. Et comme ce livre l'indique, eh bien, nuit et jour, tu souffrais, tu étais tourmentée. Ben oui, il faut comprendre qu'on est dans ce monde, mais qu'il y a une réalité spirituelle qui nous entoure. Et dans cette réalité spirituelle, il y a le malin, il y a des forces des ténèbres qui sont contre nous, et aussi il y a le royaume de Dieu, que c'est la dimension spirituelle du bien où le Seigneur, l'Éternel, règne. Moi,
je savais qu'il y avait quelque chose d'autre que ce monde. Ce n'était pas seulement la pensée qui régnait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de spirituel. Donc j'ai commencé à chercher pour cette vie spirituelle. Je suis entrée dans le Nouvel Âge. Je suis entrée dans toutes sortes de l'occultisme. Et c'est comme ça que je suis attrapée. Je n'ai pas voulu être une prêtresse voodoo. Mais quand tu es attrapée par ces forces, ils te prennent à des endroits où tu ne veux pas. Et en entrant de plus en plus profondément, et j'étais complètement possédée parce que la dépression, la panique, les perturbations qu'on appelle psychiatriques, ce sont des démons. Ce sont des esprits qui viennent tourmenter l'âme, la pensée, le cœur de la personne. Et ce n'est pas quelque chose qui est là dès la naissance. C'est moi qui les avais acquéris en tant que participant à la divination et tout cela. Donc j'ai perdu complètement ma pensée. Je ne pouvais pas faire deux phrases de suite. Et j'essayais de me tuer, me couper les veines. Et j'étais sur le point de mourir. C'est comme ça que je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique où on m'a diagnostiqué de la paranoïe. Et j'étais complètement perdue. Et c'est là, à l'hôpital, où je n'avais pas de pensée du tout, entourée de tous ces fous, qu'un pasteur, un homme de Dieu, un homme de vérité. Parce qu'il y a des gens qui professent une religion, mais qui n'ont pas la vérité, la réalité du royaume de Dieu. Et ce n'est que la religion. Mais cet homme avait quelque chose d'autre. Il y avait une lumière en lui. Il y avait la présence de Dieu. Et il a commencé à parler de Jésus, mais pas un Jésus religieux, mais un Jésus qui vient pour te sauver, pour redresser ta vie. Et moi, j'étais complètement touchée. Il faut savoir, je n'avais pas une pensée. Donc, prêcher à une personne qui n'a pas de pensée, c'est difficile. Il faut un miracle, déjà surnaturel, pour que je pourrais écouter toute la conversation du pasteur. Et ça, c'est fait à cause de la lumière de Dieu. Donc, il a commencé à parler de ça et j'ai vu, à ce moment-là, mon âme qui était complètement sale. J'ai vu la réalité spirituelle parce que nos péchés, et parce qu'il y a des personnes qui peut-être ne croient pas dans le péché, mais il y a des choses que nous faisons qui nous détruisent. On peut l'appeler le péché, on peut l'appeler des faits contraires à notre nature qu'on fait, qui nous font du mal. Déjà, l'occultisme est un péché. Déjà, l'occultisme est un péché, ne pas s'aimer notre voisin, c'est un péché, la fornication, c'est un péché. Et c'est un péché parce que ça nous détruit à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'amusant, c'est quelque chose qui, à la fin, vient nous détruire. Et moi, j'étais complètement détruite. Et c'est la puissance de Dieu qui est entrée dans mon cœur, que quand j'ai vu mon âme, le pasteur m'a dit, il faut que vous vous repentiez. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Ça, j'ai trouvé très fort. Hier soir, quand tu as prêché, il t'a dit, repentez-vous. Oui, et je savais que ce n'était pas l'homme qui était en train de parler, que c'était Dieu même, que j'étais devant la présence divine, qui me disait, il faut que tu changes. Il faut que tu te répands, il faut que tu reconnais où tu es pour que je puisse faire quelque chose pour changer ta vie. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à Jésus sans se repentir et ça ne marche pas. Et tu pourrais dire rapidement, se repentir, qu'est-ce que c'est? Se repentir, c'est vraiment se voir, voir la condition où l'on est et décider de tout notre cœur de changer vers la vérité, vers la façon de Dieu, vers le chemin de Dieu, parce que c'est la seule façon de changer. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a la sagesse pour diriger notre vie, c'est Dieu qui a la sagesse et le savoir-faire, comment nous devons mener notre vie pour qu'on ait du succès dans cette vie, pour qu'on ait la plénitude de vie et de l'amour et de la paix qu'il a
acheté pour nous. Et là, c'est le miracle qui se produit parce que ça marche. Exactement. Quand j'ai rendu ma vie, quand j'ai rendu ma façon de penser, ma façon de faire les choses, et j'ai dit, voilà, j'ai tout mal fait, je ne peux plus continuer comme ça. Seigneur, je te donne ma vie, je réponds, prends ma vie pour la refaire. Et tu peux dire qu'instantanément, il y a eu un changement. J'ai eu une révélation de la croix qui était tellement fort. Tu peux nous en parler. J'ai vu Jésus crucifié et j'ai vu dans son regard un amour, une miséricorde qui m'appelait vers lui. Et puis j'ai vu dans toutes ces meurtrissures le nom de mes péchés. Mmh. Et c'était comme si les blessures du Seigneur parlaient et me disaient, c'est à cause de toi que j'étais crucifié. Et c'est à cause de nous tous qu'il s'est crucifié. Et quand on comprend ça, on ne peut pas se détourner et continuer à faire la même chose qu'on venait de faire. Parce qu'on est conscient que c'est à cause de nos péchés qu'il s'est crucifié. Et ça, c'est très, très fort. Et ça a percé mon cœur d'une façon très, très profonde pour changer toute ma vie. Et je ne ferai jamais rien qui puisse blesser encore une fois mon Seigneur. Et revenir en arrière. Et revenir en arrière et refaire les mêmes blessures dans son corps que j'ai fait en avant. Donc c'est le message de la croix, le message de l'évangile, le message de Jésus. C'est le message de la croix qui transforme. Aujourd'hui, on veut faire des messages chrétiens sans la croix, sans Jésus. C'est seulement le succès tout dans ce monde. Et ça marche pour un petit instant. Oui, oui. Et puis, tout a un prix. Et oui. Finalement, c'est lui qui vient demander le prix, que c'est le malin, il vient demander avec des maladies, avec des tas tout de trucs. Fait. Amen. Mais le seul qui garantit la vie éternelle, le seul qui garantit la paix, le seul qui garantit vivre dans les splendeurs, que tout est bien. Parce que ça, c'est le royaume de Dieu. Alors, ce que j'ai aimé, Anna, hier, c'est, tu as dit que beaucoup de gens dans cet hôpital ont été guéris aussi et sauvés. Dans les premiers 15 jours de ma conversion, parce que c'était une conversion réelle, la présence de Dieu, la vie de Dieu a percé mon cœur, a entré en moi. Et c'est une réalité qui me suit depuis ce jour-là. Ça fait 22 ans que je suis venue à Jésus. Et la réalité de sa présence, de sa voix, de son amour, de sa paix en moi, c'est réel. Et alors j'ai dit, tous ces malins ici, malades, ils sont démonisés comme moi j'étais démonisé. Donc si moi j'étais délivrée, eux aussi ils peuvent être délivrés. Donc je suis allée chambre après chambre après chambre, leur donner la même chose que j'en avais. C'était Jésus, c'était sa puissance. Et l'un après l'autre, il y avait une femme qui était dans sa chaise roulante. Il avait un tumeur. C'était pas un tumeur, c'était quand elle perd du sang, oui. Ça bloquait tout son cerveau. Oui. Elle était guérie comme ça, dans un instant, s'est levée de la chaise roulante, complètement guérie, complètement faite à nouveau. Fabuleux. Et comme ça, l'un après l'autre, après l'autre. Et ça, je n'avais qu'un jour dans Christ, mais Christ est tellement, amen, tellement puissant. Jésus est tellement puissant qu'il ne faut pas des années d'entraînement pour aller faire la œuvre de Dieu. Il faut qu'il soit vraiment en toi. Et ça, c'est la gloire de l'Évangile, que Dieu, étant l'esprit créateur de l'univers, peut venir et entrer, s'unifier avec l'esprit de l'homme et le refaire complètement. Et là, on va comprendre vraiment toute la vérité. Et là, on va comprendre comment se mener Alors, dans la vie. Alors, ta première nuit après cette délivrance, c'était une nuit paisible. Bien sûr. Et puis, goûter à la paix de Dieu, goûter fini à le la tourment. Paix, goûter qu'il n'y avait plus de tourment, que je pouvais penser. Tous les docteurs étaient étonnés parce qu'ils m'ont vu arriver. J'avais toujours mon bras avec les bandages du suicide. Oh, bien sûr. Et quand ils m'entendaient parler d'une façon complètement différente, et d'ailleurs, ils m'ont refait les preuves, les encéphalogrammes,
Parce que je dis, je veux que vous les refaissiez parce que moi, je suis guérie. Il disait, non, ce n'est pas possible. Regardez comment vous êtes. Et l'encéphalogramme, c'était complètement fou. Ton témoignage, Anna, m'a beaucoup aidée parce que je suis passée cet an dernier par une épreuve avec quelqu'un qui était malade aussi, psychiquement. Et je disais, si tu as sorti Anna, tu sortiras cette fille aussi. Amen. Et pour moi, ça... Il faut le désir d'en sortir. Oui. Parfois, on a la tendance d'attendre que tout se passe dans dehors. Mais toutes les décisions qu'on a faites, on les a prises dans l'intérieur. Et la solution, c'est Christ, Jésus, à l'intérieur de l'homme, qui presse, qu'il faut la percer, qui nous donne la volonté. Il faut joindre notre volonté avec la volonté de Dieu pour percer et pour dire « moi j'en sors et moi j'en sors ». Et la puissance de Dieu, et Dieu a vaincu le malin, et parce qu'il a vaincu le malin ne va plus être sur moi, et je vais vaincre, et je vais vaincre, et c'est la volonté qui est prise par Dieu. Mais nous, il faut que nous fassions aussi l'effort de nous joindre, d'en sortir, de battre ces combats avec Jésus. Alors après cette expérience, tu étais une nouvelle créature, tu es sortie rapidement. Ah oui, en 15 jours, j'étais en dehors. D'ailleurs, ils pensaient que j'allais finir leur business de malade, parce que les hôpitaux aussi, c'est un business. Qu'est-ce donc que ils ont dit, elle vous fait du mal ici, il faut la mettre dehors. Et oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu diras à nos téléspectateurs maintenant qui t'écoutent, qui ont un être cher qui est malade? Tu leur donnerais quelle parole maintenant? Jésus, c'est la seule solution. Mais ce n'est pas une solution passive. Ce n'est pas seulement de rester et attendre. Il faut prendre les armes que Dieu nous a données. Et les armes, c'est la présence de Dieu qui dit le diable n'a plus le contrôle, mais c'est Jésus qui a le contrôle de ma vie et je m'en sors et j'avance. Et si vous avez cette volonté, vous pouvez transmettre que votre volonté soit unie à celle de Jésus, vous vous en sortirez. Et c'est la seule façon d'en sortir. Hello? Hey. Et j'ai entendu une voix forte qui disait, then I heard a loud voice saying, Seigneur, je te prie que Lord, de ces jours-là, des voix s'élèvent dans la France, des voix fortes et qui disent, Lord, I pray that in this day, loud voice in France will arise and say, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come for the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. Et ils l'ont vaincu. And they overcame him. Participe passé. It's a past tense word. Et ils l'ont vaincu. So they overcame him. À cause du sang de l'agneau. By the blood of the lamb. Et à cause de la parole de leur témoignage. And by the word of their testimony. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. They did not love their lives to the death. Il y a une voix. And there is a voice. Qui vient du ciel. Who's coming from heaven. C'est une voix apostolique. It is an apostolic voice. Pressez vos mains. Raise up your hands. Ouvrez vos cœurs. Open your hearts. Parce qu'il y a une onction apostolique. Because there is an apostolic anointing. Qui est en train de descendre. Who's coming down now. Pour crier. That will shout. Pour crier dans la France. That will shout over France. Que le diable. That the devil. C'est précipité. Has been cast down. Et l'autorité. And the authority. Et le royaume. And the kingdom. Et l'autorité de notre Christ. And the authority of our Christ. Et le salut de la France. And the salvation of France. Est arrivé. Has come. Yeah. Oh, comment ça? Tout puissant. Tout puissant. All powerful. Tout puissant. Almighty one. Tout puissant. Tout puissant, Almighty one, tout puissant, Almighty one, c'est l'Éternel. Is the Lord. On est des rois.
We are kings. Bonjour. Hello, King. Bonjour. Hello, King. Je vous salue, mon général. Hi, my general. Mon roi. Hello, my king. Mon roi. Hello, my king. Mon roi. My king. Ma reine. My queen. Je vous salue. I salute you. Roi de l'éternel. King of the Lord. Roi de l'éternel. King of the Lord. Roi de l'éternel. King of the Lord. C'est quoi l'enfantement? What is the birthing? Que cette femme that the woman a tellement de douleur suffered so much, has, is so much in labor and pain. C'est un combat intérieur. It is an inner battle warfare. Où il faut que l'Esprit de Dieu the Spirit of God must te positionne position you dans les endroits célestes. In the heavenly places. C'est un combat. It is a fight, a warfare. Pour dire au diable, to tell the devil, parce que le diable c'est un menteur, because the devil is a liar, don't you le diable know c'est un voleur, the devil is a stealer, robber, et un voleur entre dans les endroits qui ne l'appartiennent pas. And a thief always goes into places that do not belong to him. Et si cet endroit est abandonné, if that place is left alone, empty, il est très à l'aise. That's where he is really at ease. Sous le tronc de France. To sit on the throne of France. Mais ce trône ne l'appartient pas. But this throne doesn't belong to him. Il a été donné. That throne was given. Il a été donné par le prix du sang de Jésus. It was given by the price of the blood of Jesus. Au roi. To a king. Au roi. To the king. Au roi. To a 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 king. Il a eu un grand bataille au ciel. There was a great war in heaven. Michael et ses anges. Michael and his angels. Et le dragon et ses anges. And the dragon and his angels on one side. Et le diable a été mis par terre. And the devil was cast down. Ça c'est le combat intérieur. We're talking here about inner warfare, the battle from inside. Ouvrez vos esprits. Open your spirit. Si vous pensez, if you think, que vous êtes dans la terre, that you are on earth, et que le diable est dans le deuxième ciel, and that the devil is in the second heavens, et les puissances de prostitution et de corruption règnent sur la France, and that the powers of corruption and prostitution are ruling over France, et vous pensez que vous êtes dans la terre, if you think that you are on earth, vous allez voir le diable comme un grand dragon impossible de conquérir. You will always see the devil as a big dragon impossible to conquer. Le grand combat intérieur, the great battle from inside, c'est de savoir, it is to know, que le ciel et la terre, that heaven and earth, sont devenus un, became one, en Jésus, in Jesus, que ce trône de la France, that the throne of France, n'appartient au diable. Doesn't belong to the devil anymore. Et c'est l'église qui doit faire connaître. And that is the church that has to make it known. Les variées formes de la sagesse de Dieu aux principautés et aux dominations des ténèbres. That is the wisdom of God and the powers of darkness. The powers of darkness. That the manifold wisdom of God be made known by the church to the powers and the principalities in the second heaven. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Donc c'est quoi le combat? Amen. That's what is the fight. Si vous pensez, if you think, que vous êtes dans la terre, that you are here on earth, si vous pensez, if you think, que votre destinée, that your destiny, est d'être assis dans une chaise dans une église, it is to be sitting in a chair in a church, de venir en service tous les dimanches, to come to a church meeting every Sunday, faire une petite prière ici, une petite prière là, pray a little prayer here, a little prayer there, peut-être vous évangélisez, peut-être pas, maybe you evangelize, maybe you don't, le diable est sur vous, the devil is over you, then, dans le deuxième ciel, in the second heaven. Mais si je sais. But if I know. Mais si je sais. If I know. Et comment je le sais? And how do I know? Parce que je suis un avec Jésus. Because I am one with Jesus. Je ne pense pas que je suis un avec Jésus. I don't think I am one with Jesus. Je sais. I know. Je sais. I know. Je le sens. I feel it. Il parle.
He speaks. Il regarde à travers de moi. He looks through my eyes. Je le laisse aimer à travers de moi. I let him love through me. Je le laisse parler à travers de moi. I let him speak through me. Je suis dans une continuelle intimité avec lui. I am in a continuous intimacy with him. Je prie, je jeûne. I pray, I fast. Pour devenir davantage plus en plus un avec lui. To become more and more one with him. Le plus je sais qui je suis. And the more I know who I am. Le deuxième ciel descend. The second heaven is coming down. Et moi je prends ma position de reine. And me, I ascend up to take my position there. Et quand je prends ma position, and when I take my position, il faut un combat. There's a battle needs to take place. Il faut de la violence. We need violence pour prendre ta position. To take your position. Quand tu prends ta position, when you take your place, tu peux te placer au milieu de Paris. You can position yourself in the middle of Paris. Comme je suis maintenant au milieu de Paris. As Jesus is right now in the middle of Paris. Mais je sais où je suis positionné. And I know where I am positioned. Je sais que je suis reine avec Jésus. I know that I am a queen with Jesus. Je sais que les clés de l'enfer et de la mort sont dans la main de mon Jésus qui est en moi. I know that the keys of hell and death are in the hands of Jesus that is with me. Et que l'ennemi a été mis au-dessous de mes pieds. That the enemy has been placed under my feet. Maintenant, now, je peux crier. I can shout. Avec une haute, forte voix. With a strong voice. Réjouissez-vous, prophètes et apôtres. Be happy. Be parce happy. Que le royaume. Prophet parce apostle. Que le royaume. Because the kingdom. Parce que le royaume. Because the kingdom. De Dieu. Merci Anna pour ce merveilleux message qui va faire du bien à beaucoup. Et je voudrais dire à nos téléspectateurs qui veulent que nous les aidions, qu'ils nous écrivent, notre web défile. Et nous vous répondrons avec plaisir et vous enverrons de la littérature, nous prierons pour vous. Vous pouvez faire aussi le numéro de l'audiotel. Je vous dis à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Au revoir.